On a lancé par 100 mètres de fond pour protéger les pêcheurs qui s'en vont. Un Christ de plomb, les bras levés, les yeux ouverts dans la mer. Et depuis, de son rocher, tout couvert d'algues bleutées, le grand Christ des bonnes morts, les bénis, vivants ou morts, harcelés par les tempêtes, les épaves aux peurs secrètes. Il est là et va priant pour les morts et les vivants. Et c'est ce Dieu des profondeurs, que l'on prie mieux quand on est des pêcheurs. La haute mer, les soirs de vent, met à genoux petits et grands. Écoutez toutes ces voix qui s'en vont courbées de froid vers le Christ des hautes morts, engloutis tout près du port, harcelés par les tempêtes, les épaves aux peurs secrètes. Il est là et va priant pour les morts et les vivants. Il est des soirs quand partent du bateau, où l'on peut voir 4 ou 5 fleurs sur l'eau, 4 ou 5 fleurs placées en rond juste au-dessus du Christ de plomb. Moi je sais que dans la nuit, une fleur ira vers lui, elle ira pour les pêcheurs se placer contre son cœur. Et le Christ des eaux profondes sourira du fond du monde, par-delà ces 2000 ans, pour les morts et les vivants.